l'avarice perd tout, à vouloir tout gagner. Je ne veux pour le témoigner que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. L'attaquer le maître en quartier si relou lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille car le matin était de taille à se défendre hardiment. Sire loup donc l'aborde humblement, entre en propos, lui fait compliment de son embonpoint qu'il admire. Celle-là, son moindre défaut, que faisiez-vous? Autant chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise, et bien dansez maintenant. Je dirais, j'étais là, telle chose m'advint, vous y croirez être vous-même. À ces mots, en pleurant, ils se dirent adieu, le voyageur s'éloigne. Dans le cristal d'une fontaine, un cerf se mirant autrefois louait la beauté de son bois et ne pouvait souffrir qu'avec peine ses jambes de fuseau dont il voyait le reflet se perdre dans les eaux. Thank you.
les animer par son bourdonnement. Pique l'un, pique l'autre. S'abandonna tout son antre en raisonna. Les lions n'ont point d'autre temple. À son exemple, on vit rugir en leur patois, messieurs et les courtisans. Se goberaient leurs petits, ni peu, ni prou. Connaissez-vous les miens, dit l'oiseau de Minerve? Non, dit l'aigle. Tant pis, reprit le triste oiseau. Je crains ce qu'a pour leur peau. L'oiseau, s'approchant, vit des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Le mets ne lui plut pas. Il se montra dédaigneux comme le rat du bon Horace. Des tanches, ah vraiment, que je fasse une si pauvre chair, c'est bien là le dîner d'un héros. Exposait une peinture où l'artisan avait tracé un lion d'immense stature par un seul homme terrassé. Les regardant en tiraient gloire. Un lion passant par là leur abattit leur caquet.
ravira. Mon champ plaît à chacun. » Le Milan alors lui rétique. « Vraiment, nous voici bien. Lorsque je suis à Jeun, tu viens me parler de musique. J'en parle bien au roi. Quand un roi te prendra, tu pourras lui conter ses merveilles. Pour un Milan, il s'en rira. Ventre affamé n'a point d'oreille. » L'insecte du combat se retire avec gloire. Comme il sonna la charge, il sonna la victoire. Va partout l'annoncer et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée et y rencontre aussi sa fin. Suivant toujours, il rencontre sur son chemin une rivière dont le cours, image d'un sommeil paisible et doux, lui fit accroire d'abord le trajet fort facile. Un sable pur et net, point de bord escarpé. De chair et de festin, mettons le vide dans notre gibecière. Notre carpillon lui dit en sa manière: mais que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir tout au plus qu'une bouchée. Laissez-moi, carpe, devenir quelque gros partisan, m'achètera bien cher. Plutôt qu'il vous faut encore son chercher son de ma manière pour faire un plat, et quel plat, croyez-moi, rien qui vaille. Thank you.
aveugle les esprits d'une si terrible manière, qu'un vil et rampant animal à la fille de l'air ose se dire égale.